Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être mon atelier, encore oui. Je vais refaire mon atelier parce qu'on a monté ce petit bureau, voilà, ici, parce qu'on en a mis un autre en bas, donc j'ai récupéré celui du bas. Et il va falloir que je l'intègre donc dans mon atelier. Et comme vous voyez, bah, c'est redevenu le boxon. Voilà. Donc il va falloir que je change tout. Je vais changer un peu la configuration de l'atelier. Et ça va me permettre en même temps de re-ranger. Comment, je ne sais pas. Mais on va voir. Donc là, j'ai déjà reposé les choses sur le lit. Voilà, il y a encore des choses de Noël sur le lit qui vont partir à la cave. Donc ça, ça va déjà partir. Donc cette table-là, elle ne bougera pas. La table de travail, je pense qu'elle va bouger. J'aimerais mettre le bureau là-devant. On va voir comment on va faire. Donc je vais faire tout ça et je refais une vidéo après pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, il est 4h, enfin 16h, donc j'ai fait quoi, 2h, bon on va dire une grosse heure et demie ce matin, et une grosse heure et demie cet après-midi, et bon j'ai pas fini, mais je vous montre le résultat déjà. Donc voilà, j'ai pu m'installer un coin couture, avec le bureau blanc, là, donc avec ma machine à coudre. Ça me manquait, ma machine était toujours à terre, donc ça fait que je cousais pas, parce que le temps d'aller la chercher en dessous de la table, là, de l'installer, ça me donnait pas envie. Donc avec mes boîtes à couture, bon là j'ai eu tissu, en dessous j'ai un de mes cartons avec mes tissus. Là j'ai commencé du coup à installer ce que j'ai besoin un peu tout de suite, bon les aiguilles, machine à coudre qu'on casse, mon pic aiguille, mes canettes, voilà un peu les petites choses, mes lampes loupes. Donc j'ai pas encore installé pour l'électricité, il faut que je mette une grande rallonge, donc ça je mettrai mon grand mètre en bois de couture. Voilà. Alors par contre je dois mettre la chaise devant à chaque fois, mais ça c'est pas un problème. Et j'ai installé donc ma pédale, comme ça j'ai besoin de la mettre et de l'enlever à chaque fois non plus, c'est plus pratique. Ouf, je suis essoufflée. Donc là bon, c'est toujours un peu mon bazar, mais c'est mon bordel rangé, hein. Voilà. Donc avec mes rubans, mes fleurs, là c'est plein de petites décos, donc tout ça je dois le trier. Là j'ai mes classeurs, les violets c'est mes classeurs de revue anglaise, celui-là c'est des dies, celui-là il y a deux pages de dies seulement. Et là-bas au fond c'est les classeurs avec les PL. Et un classeur avec les ATC que je reçois. Voilà. Ça, c'est pareil. Je dois trier. Ça, c'est toutes les boîtes. Donc, il y a des fleurs, il y a de la dentelle. Mais je dois retrier aussi tout ça. Ça, je ferai plus tard. Voilà. Là, j'ai déjà rangé comme ça. C'est déjà pas mal. Désolée, je suis essoufflée. Hein, mais j'ai plus 20 ans, les filles. Mes cartes qui me restent à vendre, je les ai mises là. Ça, c'est une boîte que je dois trier. Je l'ai retrouvée. Alors c'est une boîte qui est remplie de bijoux, bijoux fantaisie, des bijoux que j'ai fait, des bijoux à moi, tout. Voilà, ça c'est ma boîte à vin que j'avais customisée pour le marché de Noël. Et là en dessous, j'ai mes boîtes à albums déjà finies de scrapbooking. Là c'est une boîte que je dois trier aussi. Là c'est toutes les feuilles de scrap de marque. À côté, c'est des poupées Barbie. Et voilà, donc ma table, ça vous l'aviez déjà vu, hein, ça ne change pas la Big Shot.
Les dice que je me sers le plus, les quelques enveloppes cartes pour faire tout de suite. Voilà. Bon, là, c'est un peu mon bric-à-brac. Comme toujours. Là, c'est tous mes feutres actions. Là, je dois trier. Tout ça, je dois trier. Là, tout ça, tout ça, tout ça, je dois trier. Et là, en dessous, c'est pareil. Donc, j'ai des caisses que je dois entièrement trier et classer. Donc, c'est tout des die-cuts, des perles, des fleurs, il y a de tout dedans. Donc, ça, le jour que j'aurai ma tête bien à l'endroit, je ferai ça. Enfin, une caisse à la fois. Là, ça, c'est tous mes petits carnets 15-15. Voilà. Une partie de mes tampons. Là, c'est mes aquarelles, mes différentes aquarelles. Voilà. Là, c'est moi. Là, c'est pareil. Bon, après, par la suite, je vais les accrocher au mur pour gagner de la place. Là, ça, c'est deux cages à oiseaux que je dois faire. Ça, c'est la boîte de fébricoleuse que j'avais reçue, qui est toujours là. Voilà, si tu passes par là. Voilà, ça, c'était une boîte que j'avais fait avec de la résine à l'intérieur. Donc voilà, bon, le repassage, par contre, est toujours là. Et il me reste donc ça à faire, ce qui est sur le lit. Alors ça, c'est tout ce qui est Noël pour le marché de Noël. Donc ça, il me reste à trier, à ranger dans des caisses tout ce qui est décoration de Noël. Mais ça, bon, on verra ça demain. Là, j'en ai ma claque. Donc voilà, mais je suis contente, c'est d'avoir maintenant mon petit coin couture. Voyez. Ce sera bien, en plus je serai en pleine lumière. Là, je ne peux pas être plus en pleine lumière. Alors je voulais changer ma table. Je vous avais dit en début de vidéo que je voulais changer ma table de place. Je voulais la mettre comme ça, dans ce sens-là, mais impossible, je ne peux pas. Donc, ben, je suis obligée de la laisser comme ça. Donc, les trois tables sont dans ce sens-là, mais bon. On verra par la suite. Et le pire, c'est que dans un mois ou deux, il faut qu'on bouge tout pour mettre en peinture. Donc, ça va être folklorique. Mais bon, on verra bien comment on fera. Donc voilà. Allez, attendez, je vais bouger la caméra. Je reviens pour vous faire un petit coucou. Coucou. Donc voilà. Ouais, ça m'a changé les idées de ranger donc mon atelier. Pendant ça là, je ne pensais pas. C'est déjà ça. Et puis. Puis de toute façon, il y en avait besoin. C'était, comme vous avez vu en début de vidéo, hein, c'était le souk. Là, demain, je verrai ce que je vais faire. Je ferai certainement bon, le reste qui est sur le lit. Voilà. Et après, bon, un petit peu à la fois, je trierai les caisses, les tiroirs. Mais ça, je ferai un peu à la fois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à trier. Il faudrait que je remette vraiment bien. Comment on dit? Bien remettre boîte par boîte, enfin au tiroir par tiroir. Par exemple, une boîte, il faut qu'il n'y ait que des perles dans la boîte. Dans une autre boîte, il faudrait qu'il n'y ait que des die-cuts. Voilà. Moi, là, un peu à la fois, tout s'est mélangé. Donc, je commence à ne plus m'y retrouver. Bah, avec le déménagement, tout ça. Bon, c'est vrai que bon, ça fait un petit moment. Dans le déménagement, c'est depuis juin. Mais bon, quand même, je n'ai pas encore vraiment repris mes marques. Donc, il faut que j'arrive à remettre tout en place. Mais bon, là, un petit peu à la fois, hein. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour.
Et ça me permettra de trier, de voir s'il y a des choses qui sont encore, qui sont pas cassées, qui sont encore bonnes à utiliser ou pas, ou des choses que j'ai en double, on sait jamais. Voilà, donc si jamais je vois qu'il y a des doublons ou quoi, bon, ben, je vous en parlerai. On sait jamais. Sinon, oui, voilà. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, là, le soir, il tombe. Il commence à tomber. Il a plu toute la journée. Là, je vais aller regarder un petit peu la télé avec mon chouchou. Et puis, ouais, quelle heure? 4h15. Ouais, je vais aller regarder la télé. Je vais peut-être faire un peu de canevas pour mettre la tête un petit peu à autre chose. Et de toute façon, bon, j'ai rien à préparer pour le souper. Ce soir, on soupe une tartine. On ouvre le frigo et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Donc ça va. Et demain, on fait un bouillon de poule. Donc ça va aller vite aussi à faire. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Et je voulais remercier. Je profite de la vidéo. Oh, attendez, je vous tourne, excusez-moi. Je voulais remercier la vidéo en même temps pour tous vos nombreux messages que j'ai eus pour la vidéo que j'avais mise pour mon chien. Je vous remercie énormément. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, voilà. Donc, c'est super gentil et puis ça m'a vraiment fait très très plaisir. Voilà. Bon, j'ai quand même eu 2 likes comme ça, 2 pouces en bas et 2 personnes qui sont parties de ma chaîne, mais bon, c'est rien. Ça m'embête pas, ça. En mettant cette vidéo-là, ouais. En même temps, j'ai eu deux likes en bas et puis donc ça doit être les 2 mêmes personnes. J'ai vu que j'avais perdu 2 abonnés sur ma chaîne en même temps qui avaient fait 2 pouces en bas, mais bon, c'est rien, c'est pas un problème pour moi. Si ça n'a pas plu, bon, ben c'est rien, hein, je m'en fiche. Voilà, moi le principal c'est vous, c'est tout, vous toutes mes abonnées, toutes les fidèles, c'est vous qui comptez pour moi, voilà. Et puis toute votre amitié, et là vous l'avez montré toute dans vos commentaires sur en dessous de ma vidéo. Voilà, je vous remercierai encore énormément. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais à toutes de gros gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, hein, puisqu'on est samedi, je ne me trompe pas, ouais, on est samedi. Je vous souhaite un bon dimanche pour demain, en espérant que là, la vidéo sera en ligne pour demain. Sinon, ben, et puis je vous souhaite sinon ben, une bonne semaine à toutes. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, comme promis. Je ne sais pas encore ce que je vous ferai comme vidéo, mais bon, ce sera la surprise. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, je vous aime toutes.